Salut les cafardinos, oh là là, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de la mise à jour qu'il y a eu sur CSGO aujourd'hui. C'est une mise à jour majeure parce qu'elle fait plus de 600 mégas et surtout qu'il y a le Major qui arrive. Donc le Major c'est la LAN sponsorisée par Valve où il y a 1 million de dollars à gagner. Il y a les stickers, il y a les graffitis, etc. Je reviens tout de suite sur le jeu. Il y a eu un changement, on va dire, dans le jeu au niveau des sons, au niveau du volume, le volume des balles et des impacts de balles a été baissé, donc on va entendre moins loin maintenant. C'est-à-dire que si on est en B, que ça tire en A, les impacts de balles, les balles, etc. On sera normalement, on n'est pas susceptible de les entendre, etc. Aussi, on a passé la barre des 25 000 abonnés, donc on a eu le giveaway. Donc maintenant, on est même à 26 000 abonnés. Donc il y a eu le giveaway. J'ai donné plus d'une dizaine de skins avec 3 cuts, etc. C'était sur le live et tout. C'était vraiment un beau live en plus. On a joué toute la soirée avec Scream et tout. C'était ouf. Plus, j'ai donné ces deux ZA, une ZA 12, une ZA 13 pour les subs. Donc là, vous voyez bien que j'en ai signé une parce que la boîte elle est blanche et dedans j'ai signé le manuel. GG à Victor et à Lixor qui ont gagné les deux. Ou c'est peut-être pas Lixor, je sais plus. Enfin, BG à mes deux cafardinos qui m'envoient de l'amour, on va pas se mentir. Big up à eux, je les embrasse. Maintenant, on va revenir tout de suite sur la mise à jour, les stickers, les graffitis qui ont été rajoutés et tout ce qui va avec. Donc voilà, grosso modo, maintenant quand vous arrivez sur la game, il y a ça, et là vous avez tout en haut à droite, obtenir les stickers. Donc qu'est-ce que c'est un Major? Un Major, c'est une LAN, donc c'est une compétition où il y a les 16 meilleures équipes au monde, en tout cas celles qui se sont qualifiées, celles qui ont passé les poules. Il y en a 8 qui ont passé les poules au précédent Major, donc c'est les stickers qu'on appelle Legend. Et après, il y a les 8 autres qui se sont qualifiés via la qualification, qui est quand même énorme aussi, hein. Donc cette année, ceux issus de la qualification, c'est quand même G2, c'est FaZe, c'est Godsent, c'est Envy, c'est des équipes, c'est Riser, c'est du lourd, c'est du très 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 lourd. Donc voilà, et vous allez pouvoir, donc cette année, il y a le Pick'em Challenge qui est revenu. Donc le Pick'em Challenge, qu'est-ce que c'est? C'est quand vous allez acheter vos stickers, en gros, vous allez pouvoir faire des prédictions de match, qui va gagner, qui va pas gagner, et selon votre pourcentage, enfin, et quand à la fin vous avez un gros pourcentage de win, ça vous fait gagner des points, etc. Et vous allez avoir un trophée. En gros, c'est ça. C'est juste fait pour vous faire un petit kiff, et bien évidemment vous récupérez les stickers à la fin, vous les utilisez, mais à chaque fois vous les récupérez, mais c'est pour vous faire utiliser des thunes. Sachez que l'argent des stickers va directement aux joueurs. Donc si vous soutenez une équipe, notamment les Français, parce que bon, nous on est Français, si vous soutenez une équipe ou des joueurs en particulier, vous pouvez, donc vous allez par exemple sur G2, hop, vous cliquez sur G2, et là vous avez sticker G2 directement. Vous avez le graffiti, donc bien évidemment on en a parlé, ça on l'a senti venir celle-là. Il n'y a pas les gants encore, mais je peux vous garantir qu'au prochain Major je pense qu'il va y avoir les gants. Et là vous avez la capsule d'autographe, et donc vous achetez directement la capsule d'autographe. Faut pas acheter directement le sticker sur le market, faut acheter la capsule pour que c'est un bénéfice au niveau des joueurs. Voilà, vous achetez la capsule et ça va tirer au sort et vous allez avoir un des 5 autographes. Voilà, et pareil pour Envy. Donc moi je souhaite bonne chance à ces deux équipes. Donc voilà la mise à jour, grosso modo. Ce qu'elle a donné, c'est juste le changement au niveau de l'audio, donc des impacts de balles, etc. Et sinon, c'est les stickers. Donc c'est cool, c'est cool. Enfin, les stickers, moi c'est un truc qui me plaît bien. Enfin, ça change rien au gameplay. Je les trouve jolis. Et puis le fait de pouvoir supporter son équipe, son joueur qui touche quand même des thunes dessus, c'est quand même pas mal. Ça les aide. Si vous êtes fan d'un Scream, d'un Shox, si vous êtes fan d'un Kenyes, voilà, ou si vous soutenez les petits nouveaux qui sont arrivés, qui ont un petit peu réussi quand même leur saison, comme Body ou des choses comme ça, bah vous avez juste à leur envoyer beaucoup d'amour en achetant leur capsule de stickers. Après, bien sûr, vous pouvez être fan d'autres stickers internationaux, hein. Moi j'adore Snax, j'aime bien Coldzera, j'adore Fallen, c'est des joueurs que je trouve monstrueux. Donc voilà les cafardinos, et je vous mets une autre vidéo dans 2 jours, donc dimanche. Vous allez la choisir dans les commentaires. Voilà, vous allez tout de suite choisir dans les commentaires. Donc moi je back Windows, comme ça je vais avoir mon mon
mon dossier. Tac. Donc vous allez pouvoir choisir une vidéo entre des réglages. Donc des réglages le Nvidia Settings, optimisation Windows, un petit peu comment avoir des FPS, tac tac tac, des petits trucs et tout pas mal. Une vidéo sur l'entraînement, comment s'améliorer au niveau de l'entraînement, on va dire ça comme ça. Une vidéo sur qu'est-ce qu'on a, la communication, comment bosser la communication. Une vidéo sur le matchmaking, l'éthique, une explication, on va dire ça comme ça. Le view model peut-être. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Peut-être le rank. Peut-être une vidéo sur le rank système. Comment fonctionne le rank, etc. Choisissez dans les commentaires. Je verrai un petit peu ce qui se tape et tout. Et je vous la mettrai dimanche. Promis. Et donc voilà les cafardinos, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Bon, elle est pas, c'est pas foufou hein, dans le sens où bon, c'est des stickers, etc. C'est une mise à jour. Donc voilà, en tout cas, vous avez le choix de la prochaine vidéo. Donc on met un like, on partage. Merci beaucoup. On est à 26 000 abonnés, donc ça veut dire abonnez-vous. On fait péter les 30 000 là bientôt. En 6 mois, les gens, on va pas se mentir là, ils sont tous en train de faire des cauchemars. Ciao tout le monde, je vous aime.